Anne. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour tes enfants, pour les dirigeants, pour les ouvriers, pour les nouveaux convertis, pour ceux qui sont venus pour la première fois. Nous demandons que tout le monde, sans exception, que tu bénisses tous au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce moment soit un moment inoubliable et que ce soit un grand temps devant le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Touche ton peuple, satisfais ton peuple et bénis abondamment tout le monde. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donne-moi un bon amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à notre étude. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis très enchanté de vous voir ici. L'Église est contente. Je prie que ce jour ne soit pas la dernière fois pour vous, que vous continuez à venir et que la parole de Dieu fortifie votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous étudions une série dans l'Évangile selon Jean. On a commencé par le chapitre 1. Nous sommes maintenant du verset 14 au verset 34. Jean chapitre 1, verset 14 jusqu'au verset 34. Je vais lire le verset 14, 29 et 34 pour commencer. Regardez votre Bible. En Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le verset 34. Et j'ai vu. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Comme on voit l'Évangile selon Jean, Jean nous introduit, nous présente le Seigneur Jésus et nous donne la révélation qui est une révélation inspirée de Christ, une révélation inspirée par le Saint-Esprit lui-même. Et ceci est inconnu de l'homme naturel. Au fait, l'homme naturel qui n'est pas touché par l'Esprit de Dieu, qui n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, qui n'est pas illuminé par l'Esprit de Dieu, l'homme naturel écoute toutes ces choses avec la tête et non le cœur. Alors, on nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, qui dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ce qu'on apprend de Jésus-Christ dans l'Évangile selon Jean est une révélation de l'Esprit de Dieu. Et l'homme naturel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, vous devez prier pour que le Seigneur lui-même vous révèle la pensée, sa pensée. Et Jean a beaucoup révélé. Jean a révélé au sujet du Seigneur Jésus-Christ dans ce chapitre seul, du chapitre 1 au chapitre 21. Il a parlé de Christ en diverses perspectives. Comme on vient en Jean 1, Christ nous est présenté comme la parole. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Non seulement il est la parole, il est aussi Dieu. Et Dieu, la parole, P majuscule. Alors, il nous révèle Christ comme le Créateur. Versets 2 et 3. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il nous parle de Jésus, qu'il est la lumière qui illumine tout homme qui vient dans le monde et l'a appelé la lumière. Voici la lumière qui donne à ceux qui viennent et qui donne la vie éternelle, la vie abondante, la vie, la lumière qui nous fait vivre devant Dieu.
Et il nous a révélé Jésus comme la lumière et la vie. Et il a révélé également comme le Fils unique de Dieu. Et c'est comme il n'y a aucune autre personne comme Jésus. En verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Cela parle de l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Il vivait depuis l'éternité avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et la parole, ce Christ, est devenue chair. Elle est demeurée parmi nous. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Il n'est pas un descendant d'Abraham. Christ est Dieu lui-même. Il est venu avec la gloire. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voici un autre titre de Christ dans ce chapitre. Il est le Fils unique du Père. Non seulement ça, il est l'agneau de Dieu. L'agneau que tout l'Ancien Testament offrait en anticipation à celui qui est à venir. Verset 29 qui dit, le lendemain, et il vit Jésus venant à lui et dit, ouais, voici, c'est comme il était surpris et il s'exclamait que le point culminant de toutes choses, la finalité de toutes choses, de tout ce que l'Ancien Testament faisait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici, il nous est révélé comme celui qui est l'Éternel. Dans le naturel, Jean-Baptiste est venu dans ce monde avant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on parle de l'âge naturel ou biologique, on dirait que Jean-Baptiste est plus âgé que Christ. Mais ici, il dit que c'est dit qu'il viendra à. Verset 30, c'est celui dont j'ai dit. Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Il est venu après moi, mais il est l'Éternel. Il vient jamais. Il était avant moi. Et il nous le présente comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui l'a baptisé. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Donc, il a beaucoup dit du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Il est sauveur. Jésus seul est notre sauveur. Jésus seul est celui qui nous sanctifie, il est sanctificateur. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit et nous immerge dans le Saint-Esprit. Il nous fortifie avec le Saint-Esprit et nous donne la puissance du Saint-Esprit. Non seulement ça, il nous dit, voici le Messie. Verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Je prie que vous le trouviez aujourd'hui dans votre corps, dans votre vie, que vous le trouviez dans votre famille, que vous le trouviez. Nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Donc, on voit que Jean est rempli de tout enthousiasme et de toute joie au sujet de la révélation du Seigneur. Il est le Messie. Il nous l'a aussi présenté comme le Fils de Dieu. Voilà le verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. » Que c'est une révélation. Le chapitre, dans ce premier chapitre, comme il l'a révélé, tu es le Fils de Dieu. Verset 49, il continue, tu es le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Donc on voit que ce Jésus-Christ est la parole, est Dieu, il est le Créateur, il est la lumière, il est la vie de tout le monde, il est le Fils unique. Il est l'agneau de Dieu, il est l'Éternel, il baptise du Saint-Esprit, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est le roi d'Israël, et il est l'étoile, il est l'échelle qui nous aide à aller au ciel. Vous vous rappelez bien le songe de Jacob, comme il s'étendit là-bas, il vit
une échelle qui toucha le ciel et voyait les anges de Dieu monter, descendre sur l'échelle. Jésus dit, je suis l'échelle. Si vous venez sur l'échelle là, vous allez vous monter sur Jésus et vous amènera au ciel. Verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Même dans l'introduction de cet évangile, selon Jean, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses pour nous, pour vous. Je prie qu'aujourd'hui, que ceci abonde votre cœur et que la lumière luise dans votre cœur. Je prie que vous ne soyez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Il nous donne la lumière. Il nous donne la vie. Il nous donne la grâce et la vérité. Au fait, il nous dit en verset 14, nous dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Nous apprécions sa gloire et pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À cause de cela, c'est lui qui nous révèle le Père dans sa plénitude. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il l'a révélé. Il a apporté la connaissance du Père, la connaissance du Dieu éternel et nous l'a apporté. Et quand vous venez à lui et à travers lui, il vous amènera au Père et vous conduira au ciel et nous dit que c'est lui qui ôte nos péchés. C'est lui qui ôte nos péchés. Tout ce qu'on a fait, qui nous a condamnés devant Dieu et nous empêchait d'aller au ciel, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter tous nos péchés. En Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean lui vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il était si content quand il a vu le Seigneur, l'agneau de Dieu qui ôte vos péchés, qui vous prépare pour le ciel. Le même enchantement vous arrivera, la même joie du salut coulera dans votre âme. Vous ne pouvez pas arrêter, fermer la bouche et vous croiser les bras disant que voici l'agneau de Dieu. Non, vous allez crier cela. Partout où vous allez crier que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ici, il m'a connu même le secret de tous les hommes. Il connaît le secret du cœur. Il vous connaît si vous êtes innocent. Il vous connaît si vous êtes coupable. Parce que Nathanaël a dit, quand, où est-ce que tu m'as vu? Verset 48, 49. Nathanaël répondit et lui dit, verset 48, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit avant que Philippe t'appela. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il vous a vu aujourd'hui. Il connaît vos besoins. Il connaît votre cœur. Il connaît vos besoins, votre pression, ce que vous traversez. Il va vous en faire sortir au nom de Jésus-Christ. Et il fait des fils des hommes, des filles de Dieu. Il est le sacrifice parfait. C'est lui qui est le porteur de péché. Il est le substitut, notre sauveur. Il est supérieur à Jean, supérieur aux anges. Il est supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament. Il est supérieur à Moïse. Il est supérieur à tous les hommes. Il est supérieur à tout fondeur de toute religion. Son nom est Jésus. Il viendra dans votre cœur. Il viendra dans votre vie. Il vous touchera et changera toutes choses et changera votre vie en meilleur au nom de Jésus-Christ. Comme nous étudions chapitre 1 du verset 14 au verset 34, nous allons voir notre étude qui est Christ le sacrifice parfait. Christ le sacrifice parfait. Comme on voit ces versets, nous allons diviser cela en trois parties. Premier point, la suprématie de Christ Jésus. Il n'est pas dessus tout. Il n'est pas dessus tout au ciel. Il est au-dessus des anges. Il est au-dessus des hommes. Il est au-dessus de tous les hommes. Il est au-dessus de toutes les générations. La suprématie de Christ Jésus. Deuxième point. La supériorité de Christ. La supériorité de Christ sur Jean. Voici Christ. Voici celui dont Jean a dit.
Il est venu après moi, mais il est prééminent parce qu'il est plus grand. Il est plus élevé et plus glorieux que moi parce qu'il m'a précédé. Troisième point, le sacrifice de Christ, notre justificateur. Le sacrifice de Christ, notre justificateur. Premier point, la suprématie de Christ. Venons à Jean chapitre 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ici, Jean parlait de la parole. Et ici, il nous dit qu'il l'a identifié. Et il va nous dire que voici la personnalité de cette parole. Voilà le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Ce n'est pas seulement la parole déclarée. Ce n'est pas une parole écrite. Ceci nous dit maintenant la personnalité de la parole, l'éternité de la parole, la nature éternelle de la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Elle est créateur et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors quand une personne a dit la parole, quelqu'un se demande qu'est-ce que c'est, qui est celui-là, et nous dit en 1er Jean. Alors, il faut identifier la parole là et la présenter la parole là. En 1 Jean chapitre 5 verset 7. En 1 Jean 5 verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Le Père, c'est Dieu le Père, la parole qui est celui-là, la parole qui est celui-là. Il dit, qui est celui-là? La parole, si c'est ton sauveur, dites-le moi. La parole, si vous l'avez rencontré auparavant, elle a fait quelque chose dans votre vie. La parole, là, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Il dit, ces trois sont un. Donc, il vient nous dire en Jean 1, 14, il dit, et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Cela veut dire que il est Dieu. Maintenant, il est venu demeurer parmi nous. À cause de cela, il s'est revêtu de la chair humaine. Ceci a été prophétisé dans l'Ancien Testament. On va vous le montrer. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Sa gloire est particulière à lui seul. Si vous connaissez Moïse sans Christ, vous n'allez pas connaître sa gloire. Si vous connaissez le Seigneur sans sa grâce, vous n'aurez pas cette gloire. Si vous avez seulement la religion, vous n'êtes pas venu au calvaire pour contempler la bonté du Seigneur à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vous n'allez pas connaître cette gloire. Cette gloire est personnelle à lui. Cette gloire est particulière à lui. Cette gloire émane de lui. Et dit, plein de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voici ce que l'Ancien Testament disait de Christ avant qu'il ne soit arrivé au monde. En Ésaïe chapitre 7, nous avons le verset 14. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Cela ne s'est jamais passé avant ce temps-là. Cela n'arrivera plus. Une vierge, une jeune femme qui n'a jamais visité un homme, comme Adam et Ève sont venus ensemble pour produire Abel, parce que Jésus, lui, il est la postérité de la femme. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Qu'est-ce que les anges de Dieu nous révèlent sur la signification de ce nom Emmanuel? En Matthieu chapitre 1, nous lisons le verset 21. Elle enfantera un fils. Qui est cette personne? C'est Marie.
elle enfantera un fils. Qui est la personne là? C'est la vierge, la jeune fille qui enfantera. Elle enfantera un fils et tu lui donneras, dites, donne-moi le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici cela, ceci est prophétisé par le Seigneur lui-même. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous disait ce qui Jésus sera. Alors ce que sera la personnalité de celui qui sera né de la femme, de la jeune fille. Voici, la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Il est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Et la Bible nous dit très clair que ce Jésus-Christ n'est pas comme tout autre homme. Il n'est pas comme les... Non seulement il est au-dessus des anges, il est créateur lui-même. Voyons, Philippiens chapitre 2, parlant de ce Christ, en Philippiens 2, je lis verset 6, Philippiens 2, verset 6, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il était avec Dieu, il était en forme de Dieu, de l'éternité en éternité, avant de devenir cher et habiter parmi nous. On pouvait voir sa gloire, la gloire du Fils unique du Père. Alors il était différent, il était distinct, parce qu'il est divin. C'est pourquoi c'est dit ici, en Philippiens 2, verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ouais, c'est la parole qui est devenue chair, en devenant semblable aux hommes, quoiqu'il soit devenu une chair pour demeurer parmi nous, il a retenu l'humilité et la gloire. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, c'est-à-dire qu'il est devenu une chair, il s'est humilié lui-même, se rendant, il s'est dépouillé et de sa divinité, de sa déité, et il est venu ici, il est à la fin, parce qu'il s'est dépouillé, il a éprouvé des douleurs parce qu'il s'est dépouillé. C'est pourquoi il s'angoissait à Gethsémané, mon Dieu, si cette coupe ne me passe, si ce coupe pouvait me dépasser. C'est pourquoi il était allé à la croix et est mort. C'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pourquoi il a dit qu'il a soif. Il a traversé ces choses parce que il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et cela a apporté, après tout, son humiliation a apporté l'élévation, l'exaltation. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, dites-le-moi, tout genou fléchisse, afin qu'au nom de Jésus, volontairement aujourd'hui, vous pouvez appeler le nom de Jésus, que je me soumets à Jésus, tu seras mon sauveur, Jésus sera mon Seigneur, parce que si vous ne le faites pas maintenant, de toute éternité, vous allez regretter, vous allez forcer à l'époque là, il sera roi, il est le roi des rois et seigneur des seigneurs, le roi des... Et afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, et que quelqu'un dise Amen. Revenons à Jean maintenant et... À Jean chapitre 1, Jean 1 verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Je prie que vous contemplez sa gloire, que vous ne soyez pas aveuglés pour demeurer dans les ténèbres. Si vous vivez dans ce monde et que vous ne contemplez pas sa gloire et sa grâce, c'est mieux que vous ne soyez pas nés. Où passerez-vous l'éternité? Si vous ne pouvez pas voir la gloire de Jésus, la grâce de Jésus,
Comment allez-vous le rencontrer face à face? C'est Dieu qui amène la grâce dans votre vie. Il va amener la gloire dans votre vie. Il amènera la grâce dans votre vie. Toute bonne chose qu'il amènera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et nous avons contemplé sa gloire. J'ai contemplé sa gloire. J'ai contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pleine de grâce et de vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme on voit Jésus-Christ, vous venez à lui et il est plein de grâce et de vérité. Il est plein de grâce numéro un. Il est plein de la grâce salvatrice. Vous êtes sauvés par la grâce et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette grâce vient de lui. Mais vous savez, il y a des gens qui se limitent dans la connaissance de la vérité, de la grâce que je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis né de nouveau, c'est ce que je connais. Il y a la grâce qui sanctifie. Vous allez revenir au calvaire, à Christ. Alors, il t'a sauvé, il te purifie, il te lave, il te donne une grâce sanctificatrice. Non seulement ça, il y a la grâce que donne l'Esprit. Il parle de l'Esprit de grâce en Romains 10, 29. Et tu es sauvé, tu es sanctifié, une autre chose t'attend. Parce qu'il est plein, il est plein de grâce. Il est débordé de grâce. Il va te baptiser du Saint-Esprit. Il te donnera la force. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à ces extrémités de la terre, la grâce qui apporte le baptême du Saint-Esprit viendra dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Si vous voyez Hébreux 12, 28, et que nous venons à lui afin de recevoir la grâce pour servir. Il y a la grâce pour le service. Quel que soit votre devoir, la grâce vous sera disponible. Quel que soit vos défis en tant que pasteur, enseignant, dirigeant, ouvrier, quel que soit vos défis, il vous donnera la grâce pour le service au nom de Jésus-Christ. Voyez, il y a des gens parfois, et que oui, je suis sauvé, mais ils sont déjà qui titubent. Ils vacillent. Ils ne sont pas fermes. Mais il y a la grâce ferme qui va vous stabiliser, qui va vous affermir. Il va vous rendre un chrétien solide, un personnage solide. La grâce, il y a eu la grâce surnaturelle. Vous voyez, beaucoup de choses qu'on veut faire dans le sens naturel, il n'y a pas de force, mais il y a là, quand le surnaturel vient dans votre vie, parce qu'il est plein de grâce et nous donne cette grâce surnaturelle. Et il y a un temps où Saul, qui est l'apôtre Paul, et connaissait des défis. Peut-être que vous avez des défis. Dieu merci, ce soir la grâce coule dans votre vie. Toutes ces choses qui vous intimident, qui vous êtes peureux, vous dites, mais comment je peux l'emporter? La grâce entre en vous. Il est plein de grâce. Vous allez recevoir sa plénitude au nom de Jésus-Christ. Il y a la grâce qui suffit. Paul, voici le devoir qui est devant vous là. Les choses que vous allez faire, il y a la grâce qui suffit. Ce soir, la suffisance de sa grâce sera sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la vérité du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Il a la vérité qui sauve. Oui, il brisera toujours dans votre vie. Toute chaîne sera écrasée, brisée ce soir au nom de Jésus-Christ. Il est la vérité qui nous a franchis. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaissez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lui la vérité. La vérité est le fondement pour nous. Vous voyez, tout ce que Christ a fait, le fondement, c'est la vérité. La vérité pour la liberté, pour la liberté. La vérité pour la sainteté. La vérité pour mener la vie sainte et pure. La vérité qui vient de Christ. Voici une fontaine inépuisable de sa vérité qui coule dans votre vie. Comme cela coule dans votre vie ce soir. Avez-vous remarqué que vous amenez une assiette vide et sur une fontaine, sur un robinet, vous ouvrez le robinet et l'eau coule de la source là et vous laissez
soit une assiette ou bien le seau là-bas et c'est sous le robinet et c'est ainsi l'eau coule, 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 coule. De retour, vous voyez que qu'est-ce qu'il y a là-bas? Cela est totalement comme la chose verse vous. Peut-être la, ça remplit et la saleté là-bas est ôtée. L'eau là peut déborder. Quand vous êtes là, la vérité, vous ne savez pas qu'il y a une oppression dans votre vie. Mais comme la vérité vient, 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 la vérité vous lave, vous rend pur et vous prépare pour le ciel. La vérité du Seigneur va vous apprêter pour le ciel au nom de Jésus-Christ. On revient à Jean 1, je lis verset 15 maintenant. Jean 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrit. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Vous savez, Jean était humble. Jean était véritable. Et que je parle de Jésus-Christ. Oui, je pourrais être, oui, je peux être, oui, je pourrais être plus âgé que lui. Comment peux-tu être âgé plus? Comment pouvais-tu être? Comment peux-tu être plus âgé que celui qui était depuis l'éternité? C'est lui, celui qui est éternel. À cause de cela, il préférait au-delà de moi. Alors, il est préféré à moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. S'il a quelque chose à moi, je reçois de sa grâce. Et dit, et grâce pour sa grâce, grâce pour grâce. Ce soir, vous allez recevoir la grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il nous dit quelque chose de merveilleux. Personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Est celui qui l'a fait connaître. Et nous fait rappeler encore que ce Jésus est plein de vérité. En Jean chapitre 8, je lis verset 30. En Jean 8, 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je vois des gens qui vont demeurer là-bas. Vous allez demeurer dans la parole de Dieu. Et ainsi que la puissance de Dieu va commencer à s'accroître dans votre vie. Et la liberté qu'il vous donne, les chaînes qui sont brisées, ne reviendront plus dans votre vie. Et le salut que le Seigneur vous a donné, ce salut va demeurer au nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui croient qu'on va à l'église, non seulement aller à l'église, c'est la vérité de la parole, comme la fontaine, la vérité de la parole, comme le fondement, la vérité de la parole, comme la source de liberté, la vérité de la parole, dans sa plénitude, dans son entièreté, est-ce que cela est déclaré là où vous allez? Parce que vous pouvez passer toute votre vie dans ce lieu que vous appelez un lieu d'adoration, un lieu de religion, et la vérité au sujet de Jésus-Christ, dans sa plénitude, n'est pas là. Vous ne serez pas libéré parce que vous êtes fidèle à aller à l'église, et vous allez là-bas, vous êtes dévoué. Ben, c'est la vérité qui sort, comme cela sort ce soir. C'est la vérité là qui vous affranchira. Et de la tête jusqu'au bout de vos orteils, vous aurez la vérité. La vérité va briser toute vérité, toujours dans votre vie. Et cela détruira les œuvres du diable. Vous direz, gloire à Dieu, j'ai la vérité. Gloire à Dieu, je connais la vérité. Et le Seigneur m'a affranchi. Il vous affranchira de la crainte. Il vous affranchira du jugement. Il vous affranchira de la condamnation. Je connais la vérité. Et je suis affranchi. Quelqu'un là-bas, je connais la vérité et je suis affranchi. Vous êtes affranchi au nom de Jésus-Christ. Et votre liberté ne sera pas ravie par quelqu'un, par personne. Il dit, il est rempli, il est plein de grâce et de vérité. Voyons, 2 Corinthiens 9. En 2 Corinthiens 9. En 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut. Dans votre vie, Dieu est capable. Dans vos études, Dieu est capable. Dans votre profession, Dieu est capable. Dans votre famille, Dieu est capable. Devant la montagne, là, Dieu est capable. Contre les défis de votre vie, Dieu est capable. Il peut quoi? Pourquoi il est capable? Et Dieu peut vous combler de comme de grâce, de toutes sortes de grâces. Afin, il ne faut pas démissionner.
la grâce vient. La plénitude de la grâce vient. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, que tout le monde dise possédant toujours, en toutes choses, dites-le moi, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous mes besoins. Vous ayez encore en abondance toute bonne œuvre, vous serez bon, vous ferez du bien. De votre dedans à votre dehors, tout changera en bien au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces envers qui? Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. De retour à la maison, c'est un défi, un problème comme je ne suis pas capable, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas monter cette montagne. Venez et lisez ce verset et fermez la Bible. Gloire à Dieu, mon Dieu est capable. Je dis, gloire à Dieu, votre Dieu est capable. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Quel que soit le défi qui viendra dans votre vie, vous avez besoin de plus de grâce. Venez au trône de la grâce. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, verset 16, approchons-nous donc avec assurance. Si vous avez fait quelque chose que vous ne devez pas faire, le diable vous condamne et que maintenant tu es vide. Mais il y a la grâce qui t'attend, la grâce qui lave, qui change notre vie. Tu viens rapidement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Le Seigneur aura pitié de vous. Ce soir, il aura pitié de vous, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il pourvoira à tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. Nous venons au deuxième point. Deuxième point, la supériorité de Christ sur Jean. Il est au-dessus de Jean, au-dessus de Moïse, au-dessus des prophètes, de tout ce qui était dans le passé. Christ l'a dépassé. En Jean 1, verset 19. En Jean 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Je suis le symbole, le poteau indicateur, montrant la voie au Christ. Je suis seulement un indicateur. Je dirige les gens vers la personne révélée. Et dit, je dirige vers le Sauveur. Je ne suis pas le Sauveur. Je vous conduis vers l'agneau de Dieu. Je ne suis pas l'agneau de Dieu. Je vous montre celui qui sanctifie. Je ne suis pas le sanctificateur. Je vous dirige vers celui qui baptise du Saint-Esprit. Je ne le suis pas moi-même. Je vous dirige vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il dit, mais je ne suis pas le roi là. Moi, je vous dirige à Christ. Je ne suis pas le Christ. Verset 20. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Voilà le verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après vous. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Ouais, il n'est pas là physiquement, mais parce qu'il est Dieu, il est omniprésent, parce qu'il est Dieu, il est omniscient, parce qu'il est Dieu, il est omnipotent. Vous ne le connaissez pas parce que vous ne pouvez pas le voir,
parce que vous regardez avec les yeux naturels. Il est ici et tout ce que vous pourrez penser, et il entend tout. Là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Avez-vous pensé à cela? Seul Dieu peut dire cela. Un ange ne peut pas dire que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ils ne sont pas à tout lieu. Un homme, un fondateur de religion ne peut jamais dire que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seul celui qui est omniprésent, il est ici là. Il est ici avec vous. Là où vous écoutez la parole de Dieu, il est là avec vous. Comme il nous touche ici, il vous touche là-bas. Comme il nous forme ici, il nous transforme ici, il vous transforme là-bas. Et Jean a dit que il est ici, mais vous ne le savez pas. Mais Dieu merci, je le sais. Et Dieu merci, je le sais. Verset 27 est dit: je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Avez-vous remarqué ce que Jean disait du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'on lui posait la question, on dit: qui es-tu? Es-tu le prophète à venir? Il dit: non, je ne le suis pas. Oui, qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il... À quoi se référait-il lorsqu'il disait: à toi le prophète qui doit venir? Voyons, Deutéronome 18, parce que c'était dit aux Israélites que quelqu'un viendra, un prophète qui ne sera pas un prophète simple, mais un grand prophète qui leur arrivera. Et cela viendra dans votre vie aujourd'hui. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Certains n'ont pas ouvert leur Bible. Deutéronome 18, verset 15. Êtes-vous là maintenant? L'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Es-tu sauvé? Es-tu né de nouveau? L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. La parole de vie, la parole de la vie éternelle, la parole du salut. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voyons l'accomplissement de cela. Vous savez pourquoi on considère tous ces versets? Je peux seulement prêcher, mais vous ne saurez pas que c'est dans la Bible. Vous allez dire qu'il a dit. Maintenant, on sait que Dieu nous parle. Oui, sa parole s'adresse à nous. Quand nous disons que Jésus est ce prophète-là, un grand prophète, et je voulais montrer que voici ce que la parole de Dieu a dit. Vous savez que ceci n'est pas une suggestion. Ceci n'est pas parce que moi j'ai dit ça. Vous l'acceptez parce que la parole de Dieu dit cela. Voyons, Actes des Apôtres, chapitre 3. En Actes 3, ici, nous lisons le verset 19. En Actes 3, 19 qui dit: repentez-vous, donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Quel est son nom? Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Verset 22. Êtes-vous là? Si vous êtes là, quel est le premier mot là-bas? Moïse a dit. Ceci, c'est une vérité. Ça, c'est une certitude. Celui qui vient dans votre âme comme la vérité, sans fausseté. Moïse a dit: le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Dans tout ce qu'il vous dira. Il va parler de la repentance, écoutez-le. Il parlera de la rétribution, écoutez-le. Il parlera de la foi dans le Seigneur, croyez en lui. Il parlera du salut, croyez en lui.
Il parlera de la sanctification, la pureté de corps. Il faut croire en lui et que tout ce qu'il dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Verset 26. C'est à vous. Je dis c'est à vous. Est-ce que vous faites partie de ceux qui reçoivent, vous faites partie des receveurs de la bénédiction de Dieu? C'est à vous, premièrement, que Dieu ayant suscité son serviteur là, envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ici, Jean a assuré les gens que je ne suis pas le sauveur, Christ est le sauveur. Je ne suis pas le roi, Christ est le roi. Je ne suis pas celui qui est à venir, Christ est celui qui est à venir. Je ne suis pas celui-là qui est l'agneau de Dieu, Christ est l'agneau de Dieu. En fait, et ce Jean-là a révélé que Jésus est plus grand que lui-même. Mais voyons ce que Jean a dit de ce Jean. Ce que Christ a dit de ce témoin. Voyons, Matthieu 11, lisant le verset 11, parlant de ce Jean. Je suis Jean-Baptiste qui a rendu témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Pensez à cela. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que Moïse a parlé du Seigneur Jésus-Christ qui viendra et ne l'a pas vu. Samuel, David, tous ont parlé du Seigneur Jésus-Christ et ils ne l'ont pas vu. Mais maintenant, ce Jean-Baptiste, il commençait à parler du Seigneur et soudain, comme il parlait de Jésus, et voici, le lendemain, Jésus est arrivé. Et que voici, et je suis très fortuné, je suis très chanceux, tous les gens de l'Ancien Testament parlaient de lui et il ne s'est pas présenté et c'est mon temps. Quelque chose de bon arrive à votre temps. Tout le monde parle de son avènement et Esaïe en avait parlé. Un fils nous est né, un garçon nous est donné, la domination sera sur son épaule. Et il a dit cela, il était mort, il est ressuscité, il est reparti. Et Daniel a parlé de lui. Et qu'il vient, même elle a appelé le Messie. Il est le fils de l'homme, il est venu sur les nuées, il s'est présenté avec l'ancien des jours, il a dit cela, il est mort. Et Jean dit, il vient, et puis soudain, il est venu. Comme nous l'annonçons aujourd'hui qu'il vient, il vient dans votre vie, il vient dans votre famille. Toute bonne chose que vous avez entendu qu'il fera à son arrivée, il le fera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 11:11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Maintenant, un croyant dit que je ne comprends pas cela. Parce que peut-être le plus petit dans le royaume, comment suis-je plus grand que Jean? Regardez ceci, Jean est plus grand que les gens qui l'ont précédé. Parce qu'il a, comme il a annoncé, Christ est arrivé, il l'a vu. Mais avant que Jésus ne soit allé au calvaire, Jean était décapité, il était mort. Et à la finalité du sacrifice de Christ qu'il a annoncé, voici l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Cela ne s'était pas produit avant que Jean ne soit mort. Maintenant, c'est arrivé. Alors, il était enseveli. Il est ressuscité. Alors, il est monté au ciel. Et maintenant, il dit, voici, je me tiens à la porte de ta porte, de ton cœur, et je frappe. Quiconque ouvre la porte, j'entrerai. Je soupire avec lui. Alors, maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes plus grand que Jean. Par la grâce, vous êtes plus grand que Jean. À cause de son amour, vous êtes plus grand que Jean. Et
si Jean avait toutes ces choses-là qu'il avait, vous pouvez avoir plus. Parce que le cavet a lieu. Parce que le sacrifice a été fait. L'agneau a ôté les péchés du monde. Vous pouvez venir vous présenter. Seigneur, me voici. Ôtez mes péchés. Il fera tout dans votre vie au nom de Jésus-Christ. On revient à Jean. À Jean. Jean. Chapitre 8 et 53, nous parlons de Jésus-Christ qui est supérieur à Jean et à tous. Jean 8, 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Il parlait à Jésus et dit, parle-nous de toi-même. La façon dont tu parles et ce que tu dis là, toutes les choses que tu dis là, es-tu plus grand que Abraham? Es-tu plus grand que tous les prophètes? Es-tu plus grand que les gens qui étaient venus 54? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Vous ne serez pas menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, écoutez bien. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Votre père, Abraham, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Et il m'a vu venir et il s'est réjoui. Comment cela peut se produire? Vous rappelez bien, c'est Isaac maintenant qui demandait à Abraham, « Père, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau? Où est l'agneau ?» Abraham a dit quelque chose de prophétique, il dit que, « Mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même un agneau pour le sacrifice. » Isaac ne pouvait pas bien comprendre, arrivé là-bas, l'agneau était pourvu. Alors, il y a la loi d'un accomplissement double. C'était accompli à ce temps-là pour commencer. Mais pour le futur, Christ devait venir. Et Christ est l'agneau de Dieu. Qui est l'agneau de Dieu? Christ est l'agneau de Dieu. Qui est l'agneau de Dieu? Christ est l'agneau de Dieu. Et Abraham s'est réjoui. Il a tressaillé de voir de joie et de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs le disent. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit quoi? En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Est-ce que vous rappelez que Abraham venait du lieu où on a emporté Lot et les biens, et Abraham était allé faire la guerre et libérer Abraham, Lot et les choses. Et comme de retour, quelqu'un a rapporté Abraham. Abraham a donné quoi? A donné la dîme à la personne. Quel est son nom? C'est Melchisédek. Abraham s'est réjoui de voir mon jour et l'a vu et est content. Voyons Hébreux 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui est là au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est le prince de paix? Qui est le prince de la justice? Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au quoi? Au fils, qui est rendu semblable au fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Abraham a tressaillé de voir mon jour et l'a vu et s'est réjoui.
avant qu'Abraham fût, je suis. Il nous dit que Jésus est plus grand que tous. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Et dans votre vie, la plus grande œuvre sera faite dans votre vie. Quand vous le recevez, quand vous l'acceptez, disant oui, je sais, tu es révélé par inspiration à moi. Parce que tu m'es présenté, je ne vais pas fuir la responsabilité. Je donne ma vie, je donne tout à Christ. Il sera pour vous au nom de Jésus-Christ. Nous venons maintenant à Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte tous les péchés. Oui, cette histoire de l'agneau, cette révélation de l'agneau était depuis Genèse, comme je vous l'avais dit, en Genèse 22, verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham son père, dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu se pourvoira un agneau. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Vous rappelez bien l'histoire. Isaac devait mourir. Et il dit que où est l'agneau pour le sacrifice? Ils sont arrivés au lieu du sacrifice. Et le père l'a lié et l'a étendu sur le bois avant de pouvoir porter la main sur lui. Le Dieu du ciel appelle Abraham. Abraham, il me voici que ne mets pas la main sur l'enfant. Il a vu l'agneau que Dieu a approuvé. Tout pécheur devait mourir. Déjà, vous êtes sur l'autel. Vous devez brûler dans la fête pour toujours. Mais voici l'agneau, notre substitut. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Et dit, tu devais mourir. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Parce que l'agneau de Dieu a été pourvu pour vous. Et il est votre substitut. Voyons. Exode 12. Je lis ici. Verset 3. Exode 12. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Encore, vous savez, il y avait le verdict de la mort et qui devait l'exterminateur doit passer pour tout le pays d'Égypte et tous les premiers-nés devaient être exterminés. Mais dans le cas des Israélites, pour pouvoir échapper à la mort, Dieu elle a dit de prendre l'agneau et l'agneau était arrivé. Et comme vous le recevez aujourd'hui, vous n'allez pas mourir. La main de la mort était ôtée au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai pas dessus vous. Je verrai le sang et je passerai pas dessus vous. La mort passera pas dessus vous. La calamité passera pas dessus vous. La damnation passera pas dessus vous. Je verrai le sang. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je verrai le sang et je passerai pas dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Il nous dit en Esaïe 53, parlant de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Esaïe. En 53. Esaïe 53, verset 6. Esaïe 53. Nous lisons le verset 6. Et s'il nous parle, il s'approche
de la révélation de l'agneau. Et il dit, Esaïe 53, 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça veut dire tous les péchés que vous avez commis, toutes les transgressions, les iniquités, l'assure, les choses mauvaises que vous avez faites, par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, vous pouvez tout confesser, vous pouvez tout prendre et mettre sur l'agneau de Dieu. Il va porter votre châtiment, il va porter la perdition. Verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable quoi? Semblable à quoi? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Cela parle de quelqu'un. Cela parle de Jésus. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché à cause de vous, il verra une postérité et prolongera ses jours. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Dieu merci, je suis l'un des hommes. Dieu merci, je suis l'un de beaucoup d'hommes. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, il y a beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus. Il y a des gens qui se sont donnés au Seigneur, qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Mon serviteur, je te justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est le passage que lisait l'eunuque éthiopien en Actes 8:30. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, beaucoup d'entre nous lisent la Bible à la maison, mais comprends-tu ce que tu lis? Comme tu viens, le Seigneur va te donner la compréhension. Le Seigneur va te donner la révélation. Comme il te donne la révélation, tu vas appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu t'a révélé. Verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça qui? La bonne nouvelle de Jésus. Jésus est l'agneau. Est-ce que l'homme était sauvé? Est-ce que vous êtes sauvé? Ceux qui ne sont pas encore sauvés, vous serez sauvés ce soir. En 1 Pierre 1, parlant de l'agneau, en 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous êtes rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il ôte nos péchés, il ôte nos iniquités et toutes les choses dont les choses que nous devons souffrir, tout est ôté au nom de Jésus. En Tite 2:14, en Tite 2:14, qui s'est donné lui-même pour nous, c'est l'agneau de Dieu qui est devenu notre sauveur, notre substitut. Celui qui porte nos péchés, il est devenu le sacrifice final et parfait qui s'est donné lui-même pour nous. Ce n'est pas que quelqu'un l'a forcé, mais volontairement à cause de son amour.
et totalement, à cause de son amour absolument, il s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour nous? Je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Qui s'est donné lui-même pour nous? Êtes-vous sauvés? Le salut est disponible pour vous. Parce que Jésus est le sauveur. Jésus est celui qui porte nos péchés. Jésus est notre substitut. Qui s'est donné lui-même pour nous? Afin de nous racheter de toute iniquité. Il purifie notre vie. Il change notre vie. Afin de nous racheter de toute iniquité. Et nous dit, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il est l'agneau de Dieu. Il ôte nos péchés. Il ôte tout. Il nous sépare de nos péchés et sépare les péchés de nous. Il pardonne nos péchés. Il nous libère de tout péché. Il nous purifie de tous nos péchés. Il nous accorde la puissance d'aller et de ne plus pécher. Parce que les péchés extérieurs sont ôtés, les péchés intérieurs sont purifiés. Il nous purifie de tout péché et nous prépare pour le ciel. Il va vous préparer au nom de Jésus-Christ. Je dis, il va vous préparer au nom de Jésus-Christ. Lorsque sa puissance entre en nous, cette puissance-là écrase la puissance du péché de notre vie et nous affranchit. En 1 Jean 3, en 1 Jean 3, en 1 Jean 3, verset 5, et dit, oh, vous le savez, je prie que vous le sachiez avec en personne et par expérience. Parce que vous voyez, Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Oh, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. C'est l'objectif, c'est pourquoi il est arrivé. Et il est apparu, il s'est révélé, il est allé à la croix du calvaire pour ôter nos péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Je vais demeurer en lui. Il dit, je vais demeurer en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est quoi? Membre de l'église. Celui qui pêche est du diable. Ouvrier de l'église. Celui qui pêche est du diable. Il y a des religieux. Ils sont très religieux. Ils viennent à l'église, ils lisent la Bible, ils chantent, ils font tout. Mais ils ne comprennent pas qu'on doit venir face à face avec l'agneau de Dieu, avoir sa grâce dans notre vie. Lorsque la grâce de Christ, l'agneau de Dieu, entre dans votre vie, il va ôter vos péchés. Il va briser la puissance du péché. Il va ôter la pollution et la perdition du péché. Il va vous purifier parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et il dit, quiconque, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de faire quoi? Le Fils de Dieu a paru afin de détruire. Afin de faire quoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Toute œuvre du diable dans votre vie sera détruite. Le péché sera détruit. Christ va briser toujours. Il va ôter la maladie. Il va ôter la calamité. Tout ce qui vient de Satan. Ce qui vient de Satan. Tout ce qui émane de Satan. C'est pourquoi il est arrivé. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, je suis né de Dieu. Je dis, je suis né de Dieu. Quand vous êtes né de Dieu, vous allez rentrer dans une nouvelle vie. Vous aurez une nouvelle nature. Vous aurez une nouvelle perspective. Quiconque est né de Dieu, jeune ou personne âgée, femme ou homme, vous êtes né de nouveau, ou bien vous venez d'être né de nouveau, vous êtes né de nouveau depuis longtemps. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La puissance de mener la vie de victoire, le Seigneur nous l'accordera au nom de Jésus-Christ. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Né de Dieu. Est-ce qu'il est là? Né de Dieu. Est-ce qu'il est là? Je prie que le Seigneur confirme cela dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je reviens à Jean. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, quelqu'un là-bas, et j'ai vu. Vous allez le voir ce soir. Vous allez le voir cette nuit. Vous allez voir sa rédemption cette nuit. Vous allez le voir dans la plénitude de sa grâce au nom de Jésus. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et j'ai vu. Et là qu'il a vu, il a rendu témoignage. Quand vous avez vu, découvert que Jésus est votre substitut, donc vous devez aller le dire à d'autres. Si vous avez vu, vous savez qu'il est celui qui porte vos péchés. Tous vos péchés sont ôtés et la puissance du péché est brisée de votre vie. Le salut est venu, une nouvelle vie est arrivée et vous pouvez dire que je le connais comme mon sauveur, je le connais comme rédempteur parce qu'il a ôté mes péchés et la joie du salut est là et la victoire du salut est là. Alors vous devenez une nouvelle créature en Christ. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous allez sortir et en parler à d'autres que ce que j'ai vu, vous le verrez. Il dit, ce que j'ai reçu, vous allez l'avoir. Ce que j'ai reçu, vous allez recevoir. Et rappelez-vous, il est plein de grâce et de vérité. Et cette grâce agira dans votre vie. Quelqu'un là-bas, la vérité agira dans votre vie. Et comme vous le recevez, comme vous le voyez, comme vous l'embrassez, vous accrochez à lui, tout ce qu'il est venu donner au calvaire entrera dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. Seigneur, je veux te voir plus. Je veux te voir plus. Tu le verras. Tu le verras. Tu le verras. Et sa vérité, sa bonté vont couler dans votre vie. Faites de ceci un jour avec le Seigneur. Et nous t'avons révélé Jésus-Christ. Nous t'avons présenté Jésus-Christ. Alors, que Jésus soit tout en toi. Que Jésus soit ton sauveur. Qu'il soit ton sanctificateur. Qu'il soit celui qui te baptise dans le Saint-Esprit. Jésus veut être tout en tout pour toi. Et sa grâce est disponible pour vous. Invoquez le Seigneur et que le Seigneur révèle la plénitude de sa grâce, de sa vérité, de sa miséricorde et compassion pour vous ce soir.